Merci de nous rejoindre dans notre émission et votre émission préférée, les Boss Ladies Show. All right. Nous sommes sur Évangile TV et je suis le pasteur Grâce, votre hôte sur les Boss Ladies Show. Et comme d'habitude, je ne suis pas toute seule, je suis très très bien entourée. Mais aujourd'hui, on va commencer par la toute nouvelle. Et je suis fière qu'elle soit sur ce plateau. Voilà, je suis fière de dire que c'est ma fille spirituelle. Et elle est belle, hein. Un peu trop d'ailleurs. Très chocolatée. On va récupérer. On va les lingettes, on va enlever tout ça. On va effacer. Enfin, bref, donc nous avons avec nous Corinne da Silva. Merci, ça va très bien, Pasteur Grâce. Bienvenue. Hein. Merci. Merci pour l'honneur que tu me fais aujourd'hui de pouvoir présider cette table avec nous. Amen. Quel gros français. Mais c'est normal, c'est ma fille, ça. On ne se reproduit pas dans le vent, quoi. Exactement. Les chiens font les chats. Les gens intelligents font les gens intelligents. Amen. Non, mais vous allez voir, c'est une femme très intelligente. C'est une femme très travailleuse aussi. Ah oui, c'est une vraie boss lady, elle. Hein. Ça, c'est sûr. Et c'est une femme passionnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui sert le Seigneur dans la maison de Dieu. C'est vraiment une servante avec vraiment le cœur d'une servante. Et je suis vraiment ravie et contente de l'avoir parmi nous. Yeah. Et juste à côté d'elle, on ne la présente plus aujourd'hui. Elle est en chocolat. Et vous savez quoi? Apparemment, la semaine dernière, elle a envoyé une photo à sa mère. Et sur la photo, en fait, nous étions toutes présentes donc, sur la photo. Et sa mère l'a confondue avec moi. En fait, sa mère lui a dit « Ah oui, c'est toi là !» Mais en fait, c'était moi. Mais j'ai dit ça aussi tout à l'heure. Oui, plus, c'est ça. Il y a un petit air. Copier-collé là. T'as déjà shifté. Qu'est-ce que tu lui as fait dur. Voilà. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui, comme d'habitude, notre Astrid Quadio. Je dis vos noms. En tout cas, merci Pasteur Grâce pour l'opportunité. Merci à toutes. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là. Yes. Et voilà, ça va bien se passer. Amen. Ça va être un plaisir aujourd'hui. Yes. Et bien sûr, on ne les présente plus. Et aujourd'hui, elles sont assises l'une à côté de l'autre. Dupont. J'ai failli dire Tintin et Milou, mais non. Non. C'est donc Tintin qui est Milou. On a avec nous Marie-Alexandra. Yes. Et à côté d'elle, nous avons donc Daphné Amber. Amber pour les intimes. Non, en fait, c'est Ambiero, mais Amber pour les intimes. Voilà. Et bien sûr, il y a moi. On ne la présente plus, le pasteur Grâce, ma foi. Amen. Et bien sûr, il y a vous, oui, vous qui êtes connectés sur cette émission, qui l'a regardée, merci. Amen. Vous qui nous encouragez parce que vous êtes connectés et que vous ne ratez jamais ou presque jamais un épisode de Les Boss Ladies. Nous vous remercions et nous sommes vraiment ravis et privilégiés de pouvoir partager avec vous ces moments. Lorsque j'ai pensé en fait à cette émission, c'était pour moi en fait vraiment créer une discussion où on s'apporte des choses, où on s'édifie, où chacune aussi apporte son expérience et bien sûr tout cela en restant basé sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre base. Nous nous construisons
autour de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous bâtit, nos vies sont bâties sur le roc. Et vraiment, nous ne pouvons pas vous partager autre chose que ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Alors, c'est vrai que pour toutes celles qui regardent cette émission pour la première fois, peut-être que tu t'attendais à cliquer sur un lien et que quelqu'un soit en train de t'expliquer comment est-ce que tu fais pour créer un business. Eh ben non, ce n'est pas le cas parce que lorsque j'ai choisi le nom Les Boss Ladies, en fait, c'était pas forcément tout de suite en rapport avec l'entrepreneuriat. C'était surtout parce que j'avais réalisé que au sein de l'église, j'étais vraiment très active. J'étais, voilà, et j'aimais être active comme ça pour le Seigneur. Et j'aime toujours d'ailleurs être comme ça pour le Seigneur. Et j'ai constaté que l'une des choses, en fait, l'une des valeurs que je retransmets assez facilement à mes filles spirituelles, c'est le service dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est parce que aussi on me l'a transmis. J'ai vraiment été, on va dire, bien, très, très bien formée par le pasteur Yvon, qui est aussi mon père spirituel, qui m'a formée dans le ministère. Et j'ai grandi à ses côtés et j'ai vu, en fait, un homme de Dieu vraiment servir Dieu en toute humilité, vraiment dans la maison de Dieu, partout où on pouvait le positionner, il était là. Et donc, le nom Les Boss Ladies est d'abord venu parce que je me suis dit, waouh, à un moment donné de ma vie, j'avais plein de choses, j'avais plein de challenges, mais j'étais partout à la fois, j'étais responsable événementiel, et d'ailleurs maintenant c'est ma fille qui a pris le relais. Voilà, donc vous voyez, hein, on se reproduit selon son espèce. J'étais responsable du département du pôle événementiel, j'étais responsable département des chantres, j'avais bien sûr ma propre entreprise à côté, je travaillais aussi à Evangile TV dans la communication, enfin j'étais partout à la fois. Donc voilà, en fait, le fait de servir dans la maison de Dieu, d'être voilà, dans plusieurs départements à la fois, a fait en sorte que assez naturellement, en fait, voilà, j'ai choisi ce nom, Les Boss Ladies, parce que les Boss Ladies, ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est pas pour dire que je suis une boss, c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est pas une boss vis-à-vis de quelqu'un, c'était plutôt être une boss vis-à-vis de moi-même, de ma propre vie, parce qu'à un moment donné, j'avais des challenges personnels et même des challenges dans mon foyer, mais je me disais, mon Dieu, comment je fais, en fait, pour tenir, pour gérer, et en fait, je me disais, oui, je suis une boss par rapport à moi-même, je suis une boss par rapport à ma destinée. Et tu es aussi une boss lady par rapport à ta destinée, par rapport à, voilà, que tu sois auto-entrepreneur ou pas auto-entrepreneur, entrepreneur ou pas, tu as créé des entreprises ou pas, une association ou pas, peu importe, l'idée avec les boss ladies, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu entres dans ta destinée. Et je voulais aussi dire que ben, toutes ces choses que j'ai pu faire, que ce soit à la louange, au pôle événementiel de mon église, je l'ai aussi fait parce que j'ai été vraiment correctement formée. J'ai reçu vraiment une formation qui était vraiment dans la maison de Dieu et dans les choses simples dans la maison de Dieu. C'est grâce au pasteur Yvon, qui est mon père spirituel également, qui m'a vraiment bien forgée. J'ai aimé apprendre à ses côtés parce que j'étais vraiment impressionnée par lui, en fait, parce qu'il servait le Seigneur avec un cœur tellement intègre, tellement humble. Et aujourd'hui même, il est pasteur de son église. Et avec le pasteur gentil, parfois, on regarde des enseignements et on se rend compte, en fait, que ben, c'est le même homme, quoi. C'est le même homme et c'est tellement beau à voir, de voir des hommes de Dieu remplis d'humilité. Et donc, moi, s'il y a une chose que je veux transmettre à mes fils spirituels, c'est voilà, servir dans la maison de Dieu. Amen. C'est important, toutes les choses qu'on fait pour Dieu et avec Dieu, mais construire la maison de Dieu aussi, c'est important, parce que à une certaine époque, en fait, dans notre église, il y avait peu d'ouvriers dans la maison. Il y avait très peu d'ouvriers dans la maison. Et moi, j'ai dit une chose à Dieu, c'est que je veux être à l'endroit où on a besoin de moi. Et surtout, je veux faire des fils. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, on arrive à le faire et c'est vraiment une grâce. Et surtout quand je vous vois sur ce plateau, ben ça me fait plaisir parce que c'est une grâce. L'autre jour, à une émission, j'écoutais, c'était Mylène qui parlait. Et j'étais comme ça, je me dis, waouh. Et j'essaye de me souvenir de quand elle est arrivée à l'église, quand elle a accepté Jésus, il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout le processus. Et là, je la regarde, je me dis, mais c'est une vraie boss lady. Parce qu'elle a son travail, et pas des moindres quand même, elle a son travail. Elle est responsable également à l'église d'un GR. Et puis à chaque événement, elle est en train de servir d'ailleurs elle avec toi et tout. Yes. C'est juste beau. C'est beau, non? C'est beau. OK, le thème du jour. Le thème dit...
jour. Comment vaincre la honte après l'échec? Ça, c'est le thème du jour parce que l'objectif de ce thème aujourd'hui, c'est de vous dire que ne vous inquiétez pas, on est toutes passées par là. Mmh. Et que, en fait, vous allez vaincre, vous allez réussir au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas un échec, au contraire, vous êtes un succès. Et vous êtes, comme dit souvent notre père spirituel, l'apôtre, vous êtes le succès de Dieu. Alléluia. Yes. Vous êtes le succès de Dieu. Dieu a tout investi en toi pour que tu réussisses, pour que tu fasses de grandes choses et pour que tout ce que tu fais soit une réussite. Donc, tu es le succès de Dieu. D'emblée, retiens déjà ça. Yes. Mais je crois que c'est Astrid qui a vraiment une très, très belle définition de la honte. Astrid, c'est quoi la honte? Alors, la honte, en fait, c'est un sentiment pénible. C'est un sentiment d'infériorité, en fait. C'est un sentiment créé par une situation dans nos vies, devant des personnes, une situation d'échec, qui va nous créer, en fait, un sentiment de culpabilité, un sentiment pénible, un sentiment désagréable, et qui va, en fait, amener une certaine intimidation. Qui va nous amener, en fait, à être timide, en fait, à être intimidé. Voilà. Ouais, devant les personnes. Et ça crée aussi en fait, ça provoque aussi un sentiment d'humiliation. Plutôt, ça vient aussi d'un sentiment d'humiliation. Et là, en l'occurrence, parce qu'on a toujours honte à cause de quelque chose. Oui. Bien sûr. On a toujours honte, soit de quelque chose qu'on a fait, ou même parfois on a honte de qui on est. Ouais, c'est vrai. On a honte de qui on est, peut-être parce que tu t'apprécies pas physiquement. On se connaît pas. Parce que tu, voilà, et peut-être parce que quand tu te compares aux autres, parce qu'il y a aussi un rapport avec les autres. Oui, c'est ça. Quand tu te compares aux autres, ben voilà, tu as la sensation que tu n'y es pas en fait, que les autres, ils ont tout compris. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vas être délivrée de tout ça. In Jesus' name. Yes. Mais déjà, les filles, je vais vous poser la question. Parce que j'aimerais pas qu'on fasse une émission où on est trop mystérieuse et on se fait passer pour des filles parfaites. Moi, on a tout réussi. J'ai on a jamais eu honte. On a tout bon. J'ai pas honte. Je suis pas gênée. Je n'ai jamais échoué. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà échoué? Waouh. Oui. Bah oui, hein. Complètement. Ah oui. Ah bah, moi. Mais clairement, ouais. Alors il y a une situation qui me vient particulièrement en tête. C'était mon stage de fin d'études. Il faut savoir que j'avais fait une école de commerce. J'ai eu un parcours très périlleux par rapport à mes camarades déjà. J'ai plein de combats, etc. Enfin voilà. Et mon stage de fin d'études, pour moi, ça s'est mal passé à la fin. Et parce qu'en fait, voilà, j'étais très timide. Ça se voit pas comme ça. Pas du tout. Non, j'étais vraiment très timide. Je n'osais pas parler devant les gens, en fait. Et si vous voulez, pendant mon stage de fin d'études, j'ai préparé tout un dossier pendant 4 mois et demi. Et au bout de 5 mois, il fallait faire une présentation devant toute l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, les différentes entités, donc en France, en Suisse. Et d'ailleurs, la personne à qui je préparais le dossier, la présentation était en Suisse. Et c'était sur un logiciel en particulier. Donc c'était vraiment... c'est très compliqué quand même, mais en même temps, j'ai appris beaucoup. Mais maintenant, quand il fallait faire la présentation... J'avais tous mes papiers alignés comme ça, mais j'arrivais pas à parler. Wow. Je n'arrivais pas à parler, c'est-à-dire j'avais une boule au ventre, les mots étaient calés ici, mais vraiment. Et du coup, je me mettais à lire mes papiers et j'étais comme ça. Comme ça. Et j'épluchais tous mes papiers. Ça me fait tellement de la peine de voir les gens comme ça. Ouais. C'est tellement... Moi, j'aime pas voir les gens dans cette situation, tu sais. Quand je les vois et je sens qu'ils sont tellement stressés. Des fois, même j'ai eu de la peine pour moi ce jour. T'as envie d'être une autre personne à ce moment. Mais j'avais juste envie de disparaître. Et du coup, j'avais la personne avec qui j'avais travaillé pendant 5 mois, qui était de l'autre côté, en fait, sur un écran, et qui me regardait, mais qui comprenait pas, en fait. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça? Ou pas tu t'attendais pas à perdre autant tes moyens, peut-être? Je pensais que j'allais dégamer le truc. C'est-à-dire pour moi, j'allais parce que tu avais révisé. Et c'est là où... C'est parce que tu avais révisé. Tu connaissais ton dossier, Je connaissais mon dossier. Ça faisait 4 mois et demi que j'étais dessus. En plus, c'était un sujet que j'aimais beaucoup. Ça parlait des réseaux sociaux, comment implémenter un logiciel dans les réseaux sociaux. Et c'était même pas moi qui gérais la partie technique. Mais c'est là où, tu sais, on voit la différence entre être quelqu'un d'intelligent et avoir, en fait, de l'audace et du courage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais qui échouent. Exactement.
voit et qui échoue parce qu'il n'ose juste pas aller et faire. Moi, j'ai échoué comme ça aussi une fois, hein, dans le même genre, mais moi, je suis carrément pas partie à l'examen, je suis restée à la porte. Oh là là. Ah ouais. J'ai pas eu le courage d'entrer tellement j'étais stressée. Oh. Tu comprends? Pourtant, je connaissais mon dossier, mais j'étais tellement stressée. J'ai fait comme une crise d'angoisse et tout. Et puis, j'ai pris le bus, je suis rentrée chez moi. Oh mon Dieu. Wow. Tu vois, c'est pour dire que, tu vois, c'est un esprit en fait. Oui, c'est vraiment un esprit qui vient pour que tu échoues. C'est pour que tu échoues. Et ça, en fait, faut vraiment avoir à un moment donné le courage de te rendre compte que pour vaincre ça, c'est que spirituellement. Exactement. Quoi. Il m'est arrivé la même chose que toi. Une fois, je passais un entretien pour une alternance. Pareil, dans le milieu de la tech, donc les nouvelles technologies et tout ça. Et j'arrive à l'entretien, je me suis préparée, mais je ne m'attends pas à ce que le poste soit aussi technique. Donc, ça te demande de connaître certaines valeurs, certaines définitions, certaines manipulations et tout, que je ne connaissais pas. Et du coup, elle me donne un exercice à faire pendant l'entretien. Mince alors. Ah non, mais il y avait une série de d'énoncés et tout, il fallait tout comprendre. Et elle me dit, ben, je vous laisse 15 minutes, je reviens. Et pendant les 15 minutes, mais je suis... En fait, ton cerveau, il est gelé, il bouge vraiment. C'est ça. En fait, les connexions se font plus. J'ai répondu à quelques questions, mais je pense que le plus important de l'exercice, je n'ai pas réussi. Et du coup, quand elle revient, elle voit que je suis vraiment paniquée. Je lui dis, mais vous savez, madame, je n'ai pas réussi parce que je ne connais pas ça. Moi, je suis plus un profil... management que technique sur le poste, donc je connais pas. Et elle a été pourtant super compréhensive. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, rentrez chez vous avec l'exercice, vous faites l'exercice et vous me le renvoyez. Et ben, vous savez quoi, je lui ai envoyé un mail en lui disant, oubliez ma candidature, faites en sorte que, enfin, oubliez moi, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai vraiment pas. Regardez comment le diable trempe les gens. Et c'est ça en fait, souvent vous devez vous dire que les situations d'échec par lesquelles vous passez, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas assez intelligent, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, mais en fait le diable veut utiliser ça en fait pour clairement détruire votre destinée et vous empêcher d'aspirer à plus. Mais pendant que tu parlais, parce que tu parlais d'entretien, je me souviens de ce que Patricia m'a raconté. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. Une fois, Patricia une fois passé un entretien pour un emploi. En fait, Patricia, elle se souvient, je crois que c'est l'apôtre, une fois quand il prêchait, il disait, oui, quand vous avez l'entretien, c'est déjà fait, c'est déjà à vous et tout, dadada, il suffit de vous présenter. Et en fait, le poste, j'imagine, c'était un poste bilingue. Patricia ne parle pas. Vous ne connaissez même pas l'histoire, on rigole déjà. Attends, vous allez rire. Mais c'est le personnage aussi. Vous allez rire, je vous assure, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Et la personne qui l'a vécue, eh bien, elle existe, c'est une vraie personne. Patricia a passé son entretien. Bon, tout le monde sait ici que Patricia, c'est une fille qui est extrêmement intelligente. Mmh. Mais Patricia ne parle pas un mot d'anglais. Et donc, elle va à son entretien. L'entretien se passe super bien, tout va bien. Et là, c'est la partie de l'anglais. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, le gars lui dit, voilà, en anglais, est-ce que vous parlez anglais? Et Patricia dit oui. Oh. Et lui dit, ok. Patricia a tellement d'assurance qu'elle peut te vendre un ciel vert. Attends. Et le mec dit, d'accord, on va avoir une conversation. Et le gars commence à dire des choses. Au début, elle fait « mm-hmm. » Et quand il faut parler, Patricia se met à parler en langue. Je ne m'attendais pas ça. Patricia avait la conviction certaine qu'elle parle en langue et le seul esprit va il va comprendre en anglais. Et donc, elle parle en langue, et elle priait, elle se disait, il va me comprendre. How are you? Elle a vraiment fait ça. Elle a vraiment fait ça, franchement. Ça, c'est une personne qui n'a pas honte. Non, mais ça, tu vois, c'est l'audace. How are you? Rebasokoto. Il a fini par lui demander c'est quelle langue. Non, mais il lui a dit, mais madame, je vous comprends pas. Après, au bout d'un moment, il a dit, bon, enfin, bref. Donc, il est passé à autre chose. Parce qu'il lui disait, mais je comprends pas, vous parlez quelle langue.
Donc c'est une histoire vraie. Oh là là. Et franchement, il y a qu'une Patricia pour avoir l'audace de faire ça. Vraiment. Mais je crois que c'est un truc que l'apôtre avait dit, hein, que tu vas parler et puis le mec il va rien comprendre. Ouais, mais c'est ça. Bon, elle a vraiment interprété ça. C'était littéralement au mot près, en fait. Et donc elle est partie, elle a testé, elle s'est rendue compte que le monsieur n'a pas compris. Je suppose qu'elle a payé le poste. Non, elle a payé le poste. Ah bon. Attends, c'était bizarre. Enfin bref, franchement, ça c'était. Il a rigolé là-bas. C'était l'anecdote du jour, tellement drôle, franchement. Enfin bref, donc vos situations d'échec. Alors les situations d'échec, moi je pense notamment à la période où j'ai passé mon permis. Et en fait, faut savoir que j'ai passé mon permis un certain nombre de fois. Mm-hmm. 7 fois en tout. Mais wow. C'est un chiffre divin. Waouh. Wow. Le chiffre de la perfection. Mais du coup, elle conduit par la voix. Elle conduit bien. Exactement. Elle conduit à la perfection. Voilà. 7 fois. Et ah waouh, 7 fois. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Franchement, n'abandonnez pas. Si justement quelqu'un passe par là, j'ai envie de dire oui, c'est possible. Amen. Je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Donc en fait, quand j'ai commencé en fait à passer mon permis, il faut savoir que je l'ai fait, on va dire, à ma sortie de lycée, on va dire, et j'avais enchaîné une période où justement tout allait bien, aucun souci, et là, arrivé au permis, en fait, succession d'échecs. Et le sentiment en fait que j'avais au bout de la cinquième fois, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas y arriver. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du fait de... Parfois, on ne se sent pas forcément intelligent. On se compare par rapport aux autres. On se dit, on va pas y arriver. Et là, en fait, on va dire, c'est des paroles qu'on va entendre. Mm. Et si on fait pas attention, en fait, c'est des paroles qui peuvent nous fliger, en fait. Et je sais que quand les fois où j'arrivais, en fait, au moment de l'examen, eh ben, j'avais ce sentiment-là dont vous parliez tout à l'heure. Bah, en fait, on est figé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression en fait qu'on est paralysé, ouais, voilà, qu'on n'est plus maître en fait de nos propres membres. Ouais. Et à du force coup, de complètement. Et à force de me dire voilà, je veux ce permis, je vais y arriver. Je suis allée jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, et eh ben, on a cette sensation de on avance, mais on a l'impression qu'on ne trouve pas le bout, en fait. Mais heureusement que tu as persévéré, parce que le truc, c'est que tu te dis quand même, au bout de la sixième fois, je vais peut-être arrêter de passer le permis. Tu vas me dire, c'est pas pour moi. Voilà. Et puis même, on entend aussi, on parle de comparaison, on entend aussi les personnes autour de nous dire, de faire des remarques, ouais, quand même, la cinquième fois, est-ce que tu vas y arriver? C'est ça. Et c'est tout ça, en fait, plus les paroles qu'on entend, c'est tout ça ce peut vraiment être bloquant. Ouais. Complètement. Waouh, merci beaucoup. Oui. Donc, du coup, toi, Astrid. Oui, donc moi, je vais raconter une situation plutôt de honte. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, j'étais en première année d'études. Et en fait, il faut savoir que ça se passait vraiment pas bien. J'étais parmi limite les derniers de la classe et tout ça. Et déjà, c'était une situation aussi très gênante pour moi parce qu'on était en prépa et du coup, en fait, même quand on rend les copies, c'est toujours ordonné. Il y a toujours, en fait, l'ordre. Donc, t'es toujours dernier. En fait, tout le monde voit que tu es dernier. Tout le monde voit que tu es premier aussi. Ils rendent les copies dans l'ordre. Du meilleur vers le bas. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, voilà. Et donc, c'était en fait un conseil de classe. Et comment ça se passait, les conseils de classe? C'est que, en fait, il y avait une ronde avec tous les profs. Et avec toi au milieu, en fait. Voilà. C'est le jugement de la reine. Et chacun disait pour lui, tu vois. Wow. Chacun disait. Et du coup, moi, ça se passait mal partout. Et avait vraiment une matière, c'était sciences de l'ingénieur, vraiment, que je n'aimais pas. Et le prof aussi, il sentait que j'étais pas faite pour cette matière. Mm. Et il l'a bien fait savoir. Et c'était en mode, non, mais je ne veux pas d'elle, quoi. Dans mon cours. Dieu. Et limite, en fait, tous les profs ont rigolé, c'était drôle et tout. Et moi, j'étais, oh là là. Et du coup, à partir de cet instant, toute l'année était difficile, même mais avec les autres profs, non, parce que je me sentais vraiment... Mais c'est même une situation d'humiliation, ouais, on te met au milieu, c'est et ça. En fait, parce que tu es en échec, un prof carrément dit non, moi je veux pas d'elle, et tous les autres rient, c'est ça. Ouais. C'est grave en fait. Mais la prépa, c'est quand même un... Oui, c'est bizarre. Voilà, donc ça s'est passé comme ça, et donc après... j'ai même eu aucun prof qui est venu me voir du genre oui mais t'inquiète pas ça va bien se passer, faut juste plus travailler, qui est venu m'encourager. Mais en fait après ça a créé des tu savais que t'allais t'asseoir des blessures. Ben oui, on était tous venus. Mais oui, ça crée des blessures. Donc j'ai fini mes 2 ans comme ça, mais après comme j'ai
connu le Seigneur, en fait, juste après, au milieu de la première année. Et que là, du coup, j'avais vraiment les bonnes bases, en fait, pour continuer. Donc, j'ai pu avancer, puis finir, voilà. Bah oui, là, c'est un succès, cette femme. Gloire à Dieu. T'es courageuse, franchement. J'espère que ces profs-là te voient. Ah, mais j'attends. Oui, je vais revenir vers eux. Hey, je me suis toujours dit ça. Ils vont me voir. Ah, mais c'était pas l'élève, on avait dit que. Oui, oui, c'est ça. Yes. Wow. Bravo. En tout cas, merci beaucoup, les filles, pour votre apport. En tout cas, aujourd'hui, dans ce thème. Et en fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que l'échec, en fait, va avoir deux forces ou deux aspects, en fait, dans la vie d'une personne. Oui. Parce qu'on passe tous par l'échec à un moment donné de notre vie. Bien sûr. Et il n'y a pas que l'échec professionnel ou l'échec des études. Là, on a parlé d'échec en lien avec les études, la profession, le permis de conduire. Ouais. Mais il y a aussi l'échec relationnel. Il y a aussi ça. Il y a, je pense en l'occurrence à toutes les personnes qui passent par le divorce. C'est aussi un échec et c'est un échec difficile parce que... Ben, quand tu te maries, tu ne penses pas au divorce, en fait. Tu ne te dis pas tu vas divorcer. Ou l'échec par exemple, voilà, quand ça ne se passe pas bien dans le couple, qu'il y a des choses qui entrent dans le couple qui n'auraient pas dû entrer. Et tu te dis, mais on était plus fort que ça. Comment ça se fait que telle chose est arrivée, etc. Et en fait, tu ne... Comment dire? Au départ, tu ne te dis pas, oh, telle chose est possible, en fait. L'échec peut arriver, ça peut m'arriver. C'est comme toi, quand tu allais à ton examen, puisque tout était dans ta tête. Tout était carré. Tu avais tous tes dossiers, tu te disais, non, là, c'est bon, je suis parée. Et c'est la preuve aussi que souvent, on se prépare à réussir. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. On se prépare à faire des choses, à avoir un certain type de succès, mais on ne se prépare pas à l'échec. C'est fou, en fait. On ne nous prépare pas à l'échec. On ne nous dit pas, si ça ne marche pas, en fait, comment est-ce que tu dois faire pour te relever? Alors, peut-être si je peux me permettre d'apporter une nuance, c'est peut-être pas de se préparer à l'échec, mais d'aider à dédramatiser l'échec. Oui, parce que il peut arriver. Complètement. Et si ça arrive, c'est pas grave. En fait, tu as la possibilité de rebondir. En fait, tu as eu un échec, mais tout le monde échoue quelque part. Donc, ça permet effectivement d'anticiper, mais d'anticiper pour rebondir, pas seulement pour le subir. Oui, non. Pour moi, se préparer à l'échec, c'est pas avoir une mentalité d'échec. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui ont réussi, selon moi, ce sont des personnes qui ont été capables de prendre des risques. Quand tu prends des risques, quand tu investis par exemple ton argent quelque part, tu as la foi que ça va fonctionner, mais tu n'as pas l'assurance. En fait, c'est pas sûr. Mais même si ta foi à toi, elle est vivante, se préparer à l'échec, c'est pas se dire « et si ça ne marche pas ?» C'est pas ça, en fait. Se préparer, selon moi, à l'échec, c'est se dire « de toute façon, peu importe ce qui se passe, je suis un succès. » Pour moi, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Se préparer à l'échec, c'est d'abord, en fait, te former toi, te forger toi. Parce que très souvent, par exemple, si dans les études, un domaine ne fonctionne pas, ne signifie pas qu'un autre domaine ne va pas fonctionner. Exactement. Certains commencent, et il y en a beaucoup comme ça qui commencent à faire leurs études de médecine et qui n'y arrivent pas. Ils se réorientent après. Et qui se réorientent et ils trouvent autre chose qui est meilleure, qui est mieux, qui leur correspond mieux. Et là, il y a eu un échec, mais on peut avoir deux personnes qui vont réagir différemment. Un qui va dire, c'est bon, j'abandonne tout, je suis pas assez intelligent, je suis stupide, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et là, ça va te mettre dans un mood de dépression et tout. Et tu tournes en rond comme ça, tu vas tourner en rond. Ou quelqu'un qui va utiliser l'échec comme un catalyseur. Et la plupart des gens qui ont réussi sur cette terre ont utilisé l'échec comme un catalyseur. Je me souviens même quand plus jeune, le fait de redoubler une classe, par exemple, c'était un échec pour les parents. Mais un échec monumental. Et du coup, les enfants... Ils ne voulaient même pas passer en classe supérieure pour eux, mais pour leurs parents. Et moi, je me souviens que je n'avais aucun problème avec ça. Alors, j'ai redoublé ma seconde générale, mais à l'aise. mais quand je vous dis à l'aise, c'est-à-dire que ma mère, c'était déconcertant pour elle que je puisse être autant à l'aise. Et moi, je dis non, je n'ai pas compris. Je ne peux pas aller en classe supérieure si je n'ai pas compris. Donc, moi-même, c'est-à-dire que les profs
j'ai moi-même demandé à redoubler. Mmh. Et c'est vrai que pour ma maman, c'était un truc de dingue, en fait. Mais cet enfant, elle est même comment et tout ça. Mais, et même, j'ai redoublé encore après. Mais pour moi, c'était je dois comprendre ce que je fais. Mmh. Donc, pour moi, c'était pas un échec, par exemple, de redoubler. Mais pour mes camarades de classe, c'en était un. Mmh. Et moi, j'étais totalement décomplexée à ce niveau-là. Mmh. Donc après, je pense qu'il faut qu'on enlève en fait le regard des gens et qu'on sache en fait où est-ce qu'on va pour se dire, bah non, ça c'est pas un échec pour moi, même si ça l'est pour toi. Tant que moi, je sais où est-ce que je vais en fait. Mmh. Complètement. Et j'ai même envie de rebondir par rapport à ce que t'es en train de dire. L'échec, en fait, parce que t'as eu la bonne mentalité. Tu t'es dit en fait, c'est pas forcément un échec. Mmh. Et en fait, dans notre société, malheureusement, on a tendance en fait à vraiment diaboliser l'échec. Alors que l'échec peut être aussi un moyen pour toi d'apprendre. Mmh, et ça, quand tu as cette mentalité de te dire que oui, l'échec va me permettre en fait de, je ne vais pas échouer, je vais juste apprendre. Ça va être une leçon pour moi pour mieux faire. Et quand on voit même en fait la plupart des personnes qui ont réussi aujourd'hui, elles ont échoué. Mais ça a été une façon pour elle de savoir en fait que ce n'était pas le chemin, c'est un autre chemin que je dois prendre. Bah, je pense qu'à ce moment-là, c'est juste qu'on appelle pas ça un échec, parce qu'en fait, échouer, c'est vraiment rater. C'est ça. À ce moment-là, on se dit pas c'est un échec, on se dit bah j'apprends, mais l'échec, c'est, j'aime bien dire, l'échec, c'est l'opportunité de faire mieux. Voilà, c'est ça. C'est l'échec, c'est ça. Est l'opportunité de faire mieux. Mmh. Et en fait, le problème aussi, c'est peut-être depuis l'enfance, tu dois réussir. C'est pas mauvais hein, de dire tu dois réussir. Mais je pense juste que quand la personne a échoué, parce qu'en fait, on dit pas à la personne, attention, tu peux échouer. Non, parce que là, ça va aussi changer ta mentalité, ça va aussi te donner un mauvais mindset. Attention, tu dois échouer. C'est pas ça. C'est plutôt, tu dois réussir. Maintenant, si l'échec est arrivé, waouh, l'échec est là, t'inquiète pas, tu vas réussir. C'est ça. En fait, même si t'as échoué cette fois, ça veut pas dire que tu y arriveras jamais. C'est ça. Et puis quand on dit aux gens, tu dois réussir, mais ça ne dit pas combien de fois ils doivent essayer pour qu'ils réussissent. C'est ça. Il y a des gens qui réussissent au bout de la première fois, d'autres au bout de la troisième, d'autres de la septième. C'est mais le plus important, c'est que la personne, elle réussit. C'est que la personne, elle arrive. Elle y arrive. Donc, je pense que même si on fait face à un échec, il faut qu'on se prépare et qu'on se mette quelque chose dans la tête, c'est que mon objectif sera toujours plus fort, il résonnera toujours plus fort que l'échec. Tu peux échouer vraiment lamentablement, mais que cet échec ne soit, qu'il résonne jamais en toi aussi fort que l'objectif résonne en toi. Ça doit pas te faire vibrer de la même manière. Et puis même quand on voit des personnes qui ont atteint cet objectif qu'on veut atteindre, qu'on les voit aujourd'hui avoir une belle vie, profiter, etc., profiter sur Instagram, on se dit en fait, waouh, mais en fait, on se décourage, on désespère. Mmh. Alors qu'on ne sait pas, en fait, combien ces personnes-là qui sont arrivées aujourd'hui, combien elles ont échoué, en fait. Peut-être qu'elles ont aussi échoué plusieurs fois, mais aujourd'hui, on ne voit que la facette où ces personnes réussissent et jouissent de leur succès. Elles montrent pas, la partie où elles sont tombées, tout simplement. Elles montrent juste la partie où, ça y est, elles sont arrivées. Mmh. Mais plutôt que de se décourager, de se dire, ah non, mais elle est arrivée, moi, je suis encore là, il faut dire, j'arrive. C'est ça. Même demander des conseils aussi. Demander des conseils, il faut être humble aussi, demander des conseils. Ok, moi j'ai échoué plusieurs fois, toi tu as réussi par exemple du premier coup, mais comment tu as fait? Il y a aussi l'humilité qui rentre en compte, en fait. Amen. Il faut vraiment utiliser en fait l'échec comme une promotion. C'est fou, c'est ce que je viens de dire, mais il faut voir l'échec comme une promotion. Ce qui est particulier dans les promos, et là je parle des promos scolaires, quand on dit c'est la promo de 2019 ou la promo de 2022, ce qui est particulier dans une promo, c'est qu'une promo, c'est un peu une espèce d'élite, en fait. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on passe par une situation, surtout quand on est en Christ, il faut voir que c'est comme si on vient de se qualifier pour que la main de Dieu agisse dans notre vie, en fait. Tu vois, si tu as échoué, dis-toi que en fait tu es qualifié pour que Dieu agisse dans ta vie. Tu viens d'être promu en fait pour voir la main de Dieu sur ta vie. Tu viens d'être promu pour voir la faveur de Dieu. Parce qu'une personne qui a déjà tout, à quel moment il aurait besoin aussi de... Ah, j'ai envie de dire que tu dois être quelqu'un qui est aidé par Dieu, quelqu'un qui est poussé par Dieu, quelqu'un qui est manifesté par Dieu. C'est son rôle, c'est nous accompagner. Et c'est même là qu'en fait Dieu sera vraiment glorifié dans notre vie, en fait. C'est ça. C'est quand il voit que, ok, tu es faible,
tu peut-être que tu n'y arrives pas, mais je vais t'aider en fait. Et en fait, à chaque fois, le fait que tu vas, quand tu vas réussir avec Dieu, ça va déjà prouver au monde que en fait, j'ai réussi avec Dieu. Tu vas pouvoir témoigner aussi. Et puis, en fait, tu vas pouvoir aussi avoir une révélation de Dieu, avoir une révélation de sa force, avoir une révélation aussi des capacités, des dons qu'il t'a donnés. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça. Amen. Amen. Et puis, il y a aussi une chose, parce qu'on parle quand même de la honte, c'est que on fait souvent, enfin les autres aussi, ils font une projection de ce que nous, nous vivons au travers de leurs propres émotions. C'est-à-dire, si je vois par exemple Marie-Alexandra qui rate quelque chose, « Ah mais t'as raté, regarde, etc. » En fait, c'est moi qui projette ce que je pense de sa performance. Et souvent, les gens font des projections de leur insécurité, de leur gêne, de leur limitation, de leur propre honte sur nous. Et on se comporte comme des éponges parce qu'on accepte ça. Et du coup, on accepte la honte, on accepte l'humiliation, on accepte que ça, c'est un échec. Tu vois, la preuve, tu l'as bien dit pour les parents, mais c'était inconcevable que tu puisses redoubler. Donc, elle a projeté. Alors que toi, tu as été blindée en fait, parce qu'en toi-même, tu étais confiante. Voilà, donc ça aurait pu il faut qu'on puisse, je pense, être aussi sensible par rapport à ça. C'est que les autres sont des voix. Mais ce qui prime par-dessus tout, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il faut savoir que l'échec te met dans une situation de faiblesse. Et c'est vrai, tu te sens juste faible, tu te sens pas capable, tu te sens pas pas utile, tu te sens pas à la hauteur. Donc tu es dans une situation de faiblesse. Mais j'aime la parole de Dieu justement, parce que la parole de Dieu parle de quand on est faible, quand on est dans une situation de faiblesse, qui va dire dans 2 Corinthiens verset 12, il va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Mais comment est-ce qu'on peut prendre son plaisir alors qu'on est dans une situation de faiblesse? Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi je me plais. Mais pourquoi il s'y plaît? Parce qu'il n'est pas seul en fait. Il dit, dans les outrages, les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Parce que Christ est avec lui en fait. Et c'est pour ça que je parlais d'être promu. L'échec, vois l'échec comme l'occasion. L'opportunité pour que Dieu se réveille, pour que Dieu se manifeste, pour qu'avec Dieu, en fait, tu puisses être capable d'exploits. Et le Seigneur ne veut pas qu'on réussisse avec nos propres moyens, mais il veut qu'on dépende de lui aussi. Bon, c'est pas la raison pour laquelle tu as échoué, bien sûr. Mais si tu échoues, et saisis cette occasion. Alors, on va parler de la honte. Parce que l'échec, ensuite, laisse justement place à la honte. Et la honte, on en a parlé tout à l'heure en disant que c'est ce sentiment, en fait, pénible, d'humiliation, en fait, qui est beaucoup lié aussi au regard des autres. Parce que si tu étais tout seul sur ton île, comme Robinson Crusoe, tu n'aurais pas honte. C'est clair. Tu n'aurais pas honte. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que Robinson Crusoe, il a eu honte que la pluie puisse ravager, je sais pas moi, la maison qu'il venait de bâtir? Non, il était seul, il y avait personne pour le juger en fait. C'est vrai. Donc voilà, donc il y a le regard des autres. D'où vient la honte? Du regard des autres, par exemple. Il vient du regard des autres, des standards des autres, de ce que les autres attendent de nous, qui ne sont peut-être pas nos attentes aussi. Et quand on ne parvient pas à combler les attentes des autres, voilà. Ça peut être un sujet de honte et malheureusement, ça peut devenir une prison. On peut être prisonnier de ce que les autres attendent de nous et d'être constamment dans un sentiment de honte. Et moi, j'aimerais juste témoigner très rapidement. Tu as parlé tout à l'heure de relations qui ont pu échouer. Par le passé, j'ai une relation qui a échoué. Et en fait, j'avais tellement honte pour moi-même que ça m'a rendue malade. Ça m'a rendu malade d'une maladie qui était jugée incurable par les médecins et qui me mettait vraiment dans des états pitoyables. Et une fois, je faisais une crise à cause de cette maladie et Satan me dit, tu vas faire quoi maintenant? Tu es à terre, tu es honteuse, tu es sale, tu es faible. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur m'explique que cette maladie n'a rien de naturel. C'est pas tes gènes, c'est pas l'héritage de tes parents, c'est la honte que tu as acceptée, qui t'ont intoxiqué et qui t'ont rendu malade. Mais à partir d'aujourd'hui, tu prends soin de toi, tu t'acceptes, tu t'aimes,
tu t'apprécies en fait, vous voyez. Et donc c'est ça la honte, ça fait comme une prison. Et quand vous êtes bloqué dedans, ça peut vous anéantir et vous tuer. Méfions-nous de ces maladies. C'est trop bien que tu parles de ça. Invisible, tellement pernicieuse. C'est trop bien que tu parles de ça. On a besoin d'un peu de self-love. Ouais, clairement, clairement. Un peu de self-love, c'est pas dérangeant. C'est vrai que la Bible va nous dire, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras quand même comme toi-même. C'est-à-dire que le toi-même, ça passe quand même avant ton prochain. Pourquoi? Parce que si tu ne t'aimes pas de la bonne façon et si tu ne prends pas soin de toi de la bonne façon, comment tu vas prendre soin de l'autre? Et quand on parle de honte, peut-être que vous dites, mais c'est quoi le rapport avec le fait de prendre soin de toi? La honte, c'est un sentiment. C'est un sentiment toxique. Tu te rejettes toi-même, voilà, tu es dégoûté de toi. Et je voudrais juste préciser très rapidement, c'est que, tu vois, sentiment de honte, c'est pas par rapport à l'autre personne. Hein. C'est clairement par rapport à moi et ma propre performance. Comme on se disait, ben, t'es pas arrivé au bout, alors t'as ce sentiment d'échec qui après laisse place à la honte. Donc tu vois, j'avais ce lien là avec la honte et je ne m'appréciais pas, je me rejetais. Donc c'est ça, prendre soin de soi et comme tu dis, le self-love c'est un antidote. C'est ça, en plus, même je pense que c'est même fait dans ce que tu dis, je pense que c'est même puissant pour le diable, c'est vraiment une arme puissante pour le diable. Parce que la personne en fait du coup va peut-être être amenée à se détester, à, comme, à se reprocher des choses. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, elle pourra pas forcément aimer les autres aussi. À sa juste valeur. Et donc, ça va la pousser. En fait, le diable pourrait même utiliser la honte pour pousser cette personne à s'isoler, en fait. À s'isoler afin qu'elle soit encore une proie encore plus terrible. Parce que, à partir du moment où tu es éloigné du troupeau, où tu es éloigné des autres, tu es encore plus une proie pour le diable. Tu es la victime. Donc, tu es la victime du diable. Tu es la victime. Vraiment, et ça t'empêche même d'être l'instrument que le Seigneur veut que tu sois, en fait. Parce que quand tu es dans ton coin, quand tu es isolé, tu ne peux pas justement donner ce que tu as à l'intérieur. Tu ne peux pas donner ce que le Seigneur a mis en toi pour les autres, en fait. Parce que tu es isolé, tu refuses de sortir de ton coin, tu as honte, tu es paralysé, en fait. Alors que tu as pu être paralysé. Alors qu'il y a des choses à libérer. Clairement, et puis il n'y a pas que ça, c'est clair. Il y a d'autres domaines de la vie. Oui, vous voyez, la honte, ça aussi, ça te focalise sur un truc. Mais oui, alors qu'on ne peut pas rater dans tout. Dans la vie. C'est ça. Même si tu as l'impression de tout rater, mon cher, tu arrives au moins à respirer. Tu arrives au moins à inspirer et à expirer. Première victoire. Voilà, tu oxygènes tous les organes de ton corps. Il y a le souffle de vie en toi. C'est quand même une chose que tu fais de bien. Tu respires bien. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles chances. Pardon. J'ai aussi envie de dire, justement, par rapport à ça, tout ce qu'on peut. Le fait qu'on accepte aussi ce que les gens peuvent nous dire, ça vient aussi d'un problème du fait on va pas s'aimer parce qu'on ne se connaît pas non plus en fait. On ne sait pas en fait quelles sont les capacités, parce que la honte va aussi venir de là. On va se dire que je vais accepter, peut-être tout à l'heure tu as parlé du fait que je reprojette en fait ce que moi j'ai à l'intérieur de moi, bah je vais l'accepter parce qu'au final je ne sais pas qui je suis, voilà, en fait. Je ne connais pas. Tout simplement. Et c'est aussi là où c'est important de pouvoir se rapprocher de Dieu, parce que au travers de l'image qu'on peut avoir, on va se dévaloriser, mais en fait Dieu ne dit pas de toi en fait que tu dois avoir honte, que tu es incapable en fait. Il dit de toi que tu es capable, qu'il a mis des choses en toi et qu'il y a des choses qui doivent sortir. Malheureusement en fait, à cause de cette honte là, on empêche en fait la voix de Dieu en fait pour quelqu'un, pour d'autres personnes en fait. Même le fait, parce que en fait ça amène le fait qu'on soit focalisé sur soi-même. Qu'on soit focalisé sur soi-même et ça empêche même Dieu de se mouvoir et ça empêche même ça t'empêche même de renoncer à toi-même. Alors que Dieu, en fait, veut t'utiliser. Mais il faut d'abord que tu renonces à toi-même. Donc, il faut que tu te défocalises de toi-même pour te focaliser sur d'abord les besoins de Dieu. Parce que des fois, on ne voit pas les besoins de Dieu. On est tellement sur nos propres besoins, etc. qu'on ne voit pas ce que Dieu veut faire avec nous. Ce dont Dieu a besoin, en fait. On fait l'énoncé de tout ce qui ne va pas. Alors qu'à côté, quand on regarde bien, parfois, il y a plus de choses qui vont. Comme Daphné, elle a dit, mais déjà, le simple fait de respirer, en fait. Pourquoi Dieu t'a fait la grâce, en fait, de te réveiller aujourd'hui? C'est que tu sert à quelque chose, en fait, tu vois. Tu as peut-être raté quelque chose hier, mais pourquoi Dieu a permis que tu te réveilles ce matin? Parce qu'il a besoin de toi. Et si on commence déjà la journée comme ça, on va se dire, ok, et là, il faut faire la liste de ce qui va, plutôt que de faire la liste de ce qui ne va pas. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un à... En fait, vous avez parlé de beaucoup de choses, de la projection, de se dévaloriser, de son identité, et j'aimerais ici vraiment expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est que très souvent, la honte est aussi liée en fait à aux valeurs qu'on croit avoir ou aux valeurs qu'on nous a transmises. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où on n'échoue pas,
avec nos parents qui nous disent toujours, moi, quand j'étais à l'école, moi, à ton âge. Les choses qu'on ne peut même pas vérifier. On n'a jamais les preuves en plus. C'était toujours eux les meilleurs de la classe. C'était toujours eux qui voilà, ils ne faisaient pas de bêtises et tout. Et puis, toi, tu arrives là, c'est comme si c'est toi qui apportes la honte dans la famille. C'est comme si c'est toi qui viens briser, en fait, les bonnes valeurs qu'il y avait dans cette famille. Et là, j'aimerais vraiment attirer ton attention pour te dire que... on peut te donner des valeurs, tu peux recevoir des valeurs de ta culture, de ta famille, de ton... Mais les valeurs qui sont des valeurs sûres sont les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. C'est important. Moi, j'aime beaucoup ma famille, mes parents. Mais faites attention à comment vous vous bâtissez parce que les valeurs les plus sûres qui vous emmèneront, en fait, à réussir à coup sûr, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Ce ne sont pas les valeurs basées, en fait, simplement sur notre expérience familiale. Et c'est important, du coup, de... chercher à modifier ses valeurs parce que tu peux connaître ton identité en Christ parce que tu es chrétien, mais en fait avoir un mauvais système de valeurs. C'est vrai. Tu es chrétien, mais ton système de valeurs, de pensée, en fait, n'a pas été renouvelé, en fait. C'est pour ça que tu dois constamment, régulièrement être transformé dans ton, dans le renouvellement de ton intelligence parce que tu ne dois pas dépendre des valeurs, en fait, qu'on te présente. Et si tu dois te focaliser sur les valeurs du royaume, ce qui est sûr, c'est que Dieu a dit, tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu seras la tête et non la queue. C'est déjà fait. Ça, c'est une valeur, une valeur spirituelle. C'est que tu es né pour réussir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es en train de ramer que ça signifie, en fait, que tu as échoué. D'ailleurs, Jésus, sur la croix, donnait l'impression à tous les autres qu'il avait échoué. Oh, comment c'est ça. La croix de Jésus, il y a 2000 ans et quelques, pouvait donner l'impression aux gens qui étaient en face de lui, mais finalement, le roi des Juifs, le fils de Dieu, il est sur la croix, mais il a échoué. Échoué comme mais un non, et non, il fallait qu'il passe sur la croix, il fallait qu'il aille au tombeau, il fallait qu'on ferme le tombeau, il fallait que tout le monde l'oublie pour que le troisième jour, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un, il y a un troisième jour qui arrive pour ta vie, pour tes études, pour tes relations, pour ta carrière. Il y a un troisième jour qui arrive, mon ami. Et par moment, on va t'oublier. Être la honte de la famille, c'est ce moment où on ne parle plus de toi. C'est ça. C'est ce moment où tu n'es plus intéressant. Tu as un endroit, mais tu n'es plus intéressant parce que tu as échoué. Les autres ont réussi. Mais ce n'est pas grave. Va dans le tombeau. Va dans le tombeau. Va dans la tombe. Va dans le lieu où personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et j'aime beaucoup qu'on puisse vraiment recentrer la parole de Dieu vraiment au cœur de notre discussion. Parce que j'aimerais aussi sensibiliser tout un chacun à sa manière de méditer et de comprendre la parole de Dieu. La Bible ne dit pas simplement « vous allez réussir ». Il dit « vous êtes plus que vainqueur ». C'est « vous l'êtes ». Donc avant d'être un projet qui réussit, tu es déjà toi-même plus que vainqueur, c'est ton identité. C'est ça. Donc il faut que nous puissions nous dissocier de ce que nous faisons. Parce que ce que tu es va déterminer ce que tu feras. Si tu réalises que je suis plus que vainqueur, à un moment donné, ce que tu feras sera la réussite. En fait, tu vas réussir, mais tu n'es pas une réussite. C'est vrai. Tu es plus que vainqueur. C'est au-delà. C'est en plus, c'est plus au-delà. Que vainqueur. C'est au-delà de la victoire. Et c'est ce que tu incarnes, c'est ce que tu es, c'est ce que tu représentes sur cette terre. Alors dissocie-toi de ce que tu fais. Dissocie-toi de l'échec. Parce que justement, regarde ce que tu viens de dire. Je suis... tu es plus que vainqueur et forcément, tu vas manifester la victoire. Mais oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il était la vie avant d'aller dans le tombeau. Comment quelqu'un qui va mourir va déclarer avant qu'il est la vie? Ça, c'est fort. Donc, ne t'arrête jamais de dire, je suis plus que vainqueur, je suis victorieuse. Parce qu'au bout d'un moment, même si tu es dans l'échec, la victoire va finir par se manifester. Comme Jésus, alors qu'il a déclaré avant d'aller dans le tombeau, il leur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lorsqu'il a rencontré la mort, le dernier ennemi, la vie, c'est moi. Il n'a pas pu le retenir dans le séjour des morts. Il a été obligé de ressusciter. Et tu sais, Daphné, j'aime trop parce que Jésus, quand il va citer ça, il ne va pas dire je suis la vie, le chemin et la vérité. Il va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie est en dernier. Je dis, même si ta victoire arrive en dernier, tu es plus que vainqueur. Même si ta victoire arrive en dernier, tu es plus que vainqueur. C'est pas parce que tu es dernier
que tu es le moins intéressant. Je dis souvent à mon GR qu'il faut lire la genèse, la création, le ciel, la terre, les arbres, tout ça, les poissons, etc. Adam est arrivé en dernier dans le plan de la création, mais c'était l'élément le plus important. Oui, c'est pas parce que tu arrives en dernier que tu es le moins important. C'est pas parce que tu arrives en dernier qu'il y a moins d'impact et il y a moins de puissance. Mais bon, soyez les premiers. Mais de toute façon, ils sont obligés d'être les premiers. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous serez les premiers, non pas les derniers. Vous êtes la tête. Alors, on est d'accord. Mais on est en train de vous rassurer. On rassure quelqu'un qui s'est retrouvé en dernière position. Ouais. C'est pas parce que tu es en dernière position que tu es dévalorisé, que tu n'as plus de valeur. Le pasteur Paulette aime prendre l'exemple d'un billet de 50 euros. Je prends le billet de 50 euros, je le froisse, je le piétine, je saute dessus. Toujours 50 euros. Est-ce que si je te donne 50 euros, tu as refusé? Non. On va déplier, on va repasser. C'est ça, mais ça va acheter ce que je veux. Bien sûr, c'est ça. C'est plus important. Oh, et puis même rester focalisé aussi, en fait. Rester focalisé sur le but, l'objectif. Ok, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que le plan de Dieu est que je fasse ça? Ok, c'est pas grave. Même si j'échoue plusieurs fois et que même les gens m'oublient, les gens me mettent de côté, me rejettent parce que voilà, je fais que d'échouer, mais c'est pas grave. J'avance, je décide d'avancer. En fait, peu importe ce que les autres disent de moi, peu importe aussi ce que je vois. Peut-être que lorsque je vois le projet, il y a pas mal de choses difficiles et challengeantes pour moi, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je vais y arriver. Donc forcément, je continue, je persévère et j'aime. Je pense qu'il faut apprendre à renommer les choses. Parce que si tu appelles ça un problème, ça va devenir un problème. Si tu appelles ça un échec, alors ça sera un échec. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée à l'église, en fait, ma démarche, c'était OK, Seigneur, tu existes, mais pourquoi ma vie, elle est comme ça, en fait? Donc, à partir de là, je me suis vraiment centrée sur Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait mes 40 jours de jeûne toute seule. Mais tout le monde me regardait chez moi, genre, la fille-ci. Et puis, tu vois, ils sont là, ils font des brunchs et tout. J'étais là, non, je ne vais pas manger. Parce que j'avais mon objectif en tête, c'était vraiment chercher la face de Dieu et vraiment le trouver, en fait. Parce que je ne pouvais pas concevoir que, mais non, Dieu existe et ma vie est aussi pitoyable. Pas pitoyable par rapport aux autres, mais pitoyable par rapport à moi-même. Et j'avais la sensation que je devais accomplir des choses, mais je n'y suis pas. Il y a un problème. Donc, j'ai cherché la face de Dieu. Très bien. Ensuite, je me souviens que, après, voilà, je suis arrivée à l'église, etc. Je commence à faire mon petit bout de chemin et j'écoutais Pasteur Yvon prêcher. Et ensuite, il y avait un temps de louange et d'adoration et j'étais dans la joie. J'étais dans ma chambre, j'étais toute seule et le Seigneur me dit, et c'est là que le Seigneur m'appelle la victorieuse. La victorieuse. Et depuis ce jour-là, c'est mon petit nom, la victorieuse. C'est vrai, c'est ton nom. Et ça ne dépend pas de ce que je suis en train de vivre, en fait. J'ai juste renommé. C'est-à-dire, Dieu redonne un nom, en fait, aux gens. Même dans la Bible, quand on regarde, Abraham, c'est devenu Abraham. C'était pas son nom avant. En fait, il a renommé parce que c'était une autre personne. Simon est devenu Pierre, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça. Il faut renommer les situations. Ça mène les autres à déclarer. Parce qu'en fait, le fait que tout le monde voit la victorieuse, des gens en fait autour de toi vont commencer à taper comme ça. Ça va être la déclaration sur ta vie et ça va s'accomplir, en fait. Et ça me fait bizarre quand tu m'appelles « Hé, la victorieuse !» Oui. Je reçois. « Hé, la victorieuse !» Ce qui est bien dans ce que vous avez dit, tu vois, dans le fait de se refocaliser, de se recentrer sur ton objectif, mais te recentrer également sur Dieu, ce que vous devez comprendre, c'est que tout cela, se refocaliser sur l'objectif et se refocaliser sur Dieu va vous demander beaucoup d'énergie. Il y aura de l'énergie physique à dépenser parce que tout dépend quel est l'objectif que tu as à atteindre. Et il y aura un objectif, l'énergie spirituelle à dépenser. C'est important que tu comprennes que derrière chaque victoire ou derrière chaque échec, il y a une énergie spirituelle. Derrière chaque victoire ou derrière chaque échec, il y a une énergie spirituelle. Il y a une influence spirituelle. Et donc, c'est important que tu saches te refocaliser, te recentrer. Se refocaliser, c'est aussi ignorer tout ce qu'il y a autour de toi. Se refocaliser, c'est aussi oublier le passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu acceptes la nouveauté. Tu acceptes. Et Dieu est dans la nouveauté. Dieu aime la nouveauté. Dieu aime l'innovation. Mais lui-même, il renouvelle chaque chose. Il renouvelle ça chaque matin. Voilà. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Tu acceptes que Dieu renouvelle. Tu acceptes que Dieu te repositionne. Parce qu'il s'agit de ça. Quand tu as échoué, ce n'est pas que tu es un échec, c'est simplement
que tu es sorti de ta position et qu'il faut se repositionner dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie. C'est ça. Comment tu te repositionnes? Tu commences à prier, tu fais un jeûne et prière, tu te focalises sur ce problème, tu bombardes. Et quand tu finis ça, tu te mets en action, tu te mets en mouvement, tu mets en place un plan d'action sur « Ok, comment je fais désormais ?» pour réussir. C'est vrai. Et éliminer les choses toxiques aussi autour. Ah oui. Parce que si tu les choses et les gens. Et encore faudrait-il reconnaître ces choses-là. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que c'est justement peut-être ton ami qui est là, qui te tire de l'autre côté alors que toi, tu veux aller là-bas. De toute façon, si tu veux te refocaliser, il va falloir enlever. Oui, c'est ça. Il faut être mobile. Il faut bouger. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Ah oui. Donc, il y avait un mouvement là qui était en fait en train de préparer cette merveille qu'est la création. Donc toi aussi, si tu veux faire des merveilles, des exploits, tu dois être mobile, tu dois savoir bouger. Tu es tombé, mais tu te relèves. Rien que le fait de se relever, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Cette fois, le juste même tombe, ramper. Cette fois, il se relève. Même en rampant. Sur place. La Bible dit souvent, même en rampant, on ira au ciel. On va y arriver. Alors, même en rampant, tu vas réussir, en fait. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas l'héritage que Dieu te donne. C'est ça. C'est pour cela que tu dois avoir l'assurance et tu dois relever ta tête et aller au-delà de la honte, parce que l'échec n'est pas ton héritage. Si tu restes dans la honte, tu acceptes les pensées du diable. Exactement. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que le sentiment de honte, c'est un sentiment qui est diabolique. C'est ça. Et qui naît de la culpabilité d'avoir échoué. C'est ça. Et quand tu acceptes ce sentiment, tu laisses Satan régner dans ta vie. C'est ça. Voilà. Mais c'est un mensonge, les sentiments. Et c'est pas que dans le cadre amoureux, les sentiments. C'est même dans le cadre de la honte aussi. C'est un mensonge qu'il faut sévèrement réprimer. Amen. Amen. Et au nom de Jésus, nous déclarons maintenant que tu es libre de tout sentiment, de culpabilité, de honte. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tu fais réussit maintenant. Amen. Je déclare que tu es consciente de ton identité en Christ. Amen. Et je déclare que si tu ne connais pas le Seigneur, il se révèle à toi. Amen. Et désormais, tu marches avec Jésus et tu es de plus en plus consciente que tu es née pour réussir et non pour échouer. Je déclare que tu ne seras pas la honte de ta famille, mais tu es la solution. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et au nom puissant de Jésus, dans ta famille, on ne comptera personne avant toi. Je déclare au nom puissant de Jésus, quand on donnera un héritage aux autres, il y aura une part pour toi. Amen. Parce que tu n'échoueras pas, parce que tu ne perdras pas ce que le Seigneur a voulu déployer dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient se mouvoir au-dessus de tout ce qui t'appartient, qui vient se mouvoir au-dessus de tes études, de ta carrière, de ta famille, de tes relations, de tout ce que tu possèdes. L'Esprit de Dieu se meut et tu sais, l'Esprit de Dieu peut se mouvoir même quand il y a des ténèbres. Ça n'empêche pas à l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Amen. Et je viens à cause de cet Esprit et je viens maintenant déclarer la parole pour que tu sois libre de tout échec au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce que le diable avait contre toi et contre ta destinée est maintenant brisé. Je déclare que ce que Satan avait contre toi, ce que Satan retenait contre toi est maintenant relâché au nom de Jésus. Amen. Je libère la grâce pour réussir. Je libère l'onction pour le succès. Tu es un succès. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas aller au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Le Seigneur va t'étendre et le Seigneur te garantit la victoire partout où tu vas. Tu es victorieux, tu es libre. L'onction de Dieu est disponible pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour toi, en train de se mouvoir sur tout ce qui t'appartient. Tu vas réussir dans le puissant nom de Jésus. C'est ce que nous déclarons pour ta vie aujourd'hui. Amen. Puissante confession. Merci, Pasteur. Oh, merci beaucoup les filles, nous sommes arrivées au terme. Ouais, ça finit trop vite. Ça finit trop vite. Je vous êtes pas rendu compte. Hein, parce que je vous voyais là. J'étais
ready. Vous étiez déjà prête, ouais. Mais voilà, c'est un thème juste formidable. Oui. Et je sais que quelqu'un est édifié ce soir. Ah, c'est amen. Vraiment, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. N'hésitez pas même à repartir sur cette vidéo. Dites-nous en fait ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette émission? On veut le savoir. Et il faut savoir aussi que ça nous encourage beaucoup parce que ça met en avant les vidéos produites par Évangile TV. Et sachez également que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne Évangile TV en donnant des dons, en cliquant sur le lien qui est juste en dessous du player. Ben, c'était une belle émission. Oui, hein. très belle, très bonne. Amen. Très édifiante. Très puissante. Amen. Femme puissante. Amen. Yes. Amen. Dieu dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois puissante. Et nous, on rajoute te. Voilà. En tout cas, soyez bénis, soyez richement bénis dans vos familles. Vous savez, j'aime bien cette petite période. On est en novembre et on sent que les fêtes approchent. Oui. C'est le temps, c'est le moment, non seulement de passer du temps en famille, mais aussi de pratiquer un peu de self-love. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Faites-vous des cadeaux à vous-même, déclarez des paroles valorisantes sur vos vies et vous allez voir, le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Amen. Voilà, c'était le Pasteur Grâce avec les Boss Ladies. Yeah. Merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt. Nous vous disons à bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye.